Voilà, donc l'année passée, on avait fait petit nouvel an dans le Jura. Cette année, un petit peu différent, ça va être sur le lac. Donc, petit trajet de 2 heures jusqu'à Thonon, Deux dans heures? la nuit tombante, ouais, 2 heures, ouais. En plus? Ouais, bon, on verra. Et puis après, on va se faire plaisir, voilà. On va se les geler, hein, mais ça, on a l'habitude. Fais le tour de la verte, puis après t'auras la rouge de l'autre côté. J'ai l'impression qu'elle est juste là. On arrive à Thonon. Non, mais elle est derrière. Elle est sur la digue derrière. Là, dans notre petit bateau. Avec le petit chauffage qui tourne. On a même réussi à trouver du courant. C'est bon ça. Tu te mets toute nue? Non, je peux pas, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Hein, ça fait du bien? Tu vas te le prendre pour toi en fait. Non. Voilà. Santé mon amour. Santé chérie. Libanais, kefta, machin, des... Comment ça s'appelle encore? Des mets... Je sais plus. Medzé? Des medzés. Voilà. Même du pain libanais. Et les photos ratées, des casseroles, hein, c'est pas cool. Donc on va dire merci quand même au Morjana d'Yvonne. Petit restaurant libanais qu'on... On adore. On recommande volontiers, alors vraiment. Ouais. Très très cool, très bon, très gentil. Je sais pas, moi, des crottins là. Ouais, mais qu'est-ce que tu disais? C'est pas con. Je suis pas con? Moi, je suis pas con. Ah non? Quand même. À part ça, depuis que t'as eu l'idée de chauffer la chambre, on se les gèle quand même. Je sais pas ce que c'était pour une idée de merde, ça. Mais franchement. Ouais, ils sont trop chauds quoi. Ouais, mais une fois t'as trop chaud, après t'as trop froid. Ouais, mais moi pourquoi ça chauffe pas complètement, ça reste chaud. Je regarde, il y a un truc à tel âge, une demi-heure peut-être. Un truc de fou. C'était quoi? Des histoires extraordinaires, fantastiques. Seven Sisters. Ah oui, ça je veux, 2 secondes. Ouais. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. J'étais captivée. Quoi. Je sais pas si c'est de la science-fiction ou un film d'action. Je sais plus ce que j'ai regardé avant. C'est science-fiction, je zappe. Hein. Tu me connais? Le mec, il a eu 7 gamines, sa femme est morte. 7 gamines, quand même. C'est un film. Non, quand même. Et ça se passe en 2073. Ah ouais, mais tu te demandes si c'est de la science-fiction. Ouais, mais 73, je me suis dit, c'est pas trop vieux, on est en 20 et tout, il y a 30, dans 30 ans et tout. Ouais, ouais 50. Dans 54 ans.
53. Dans 30 ans. Dans deux heures, merde. Ça fait dans 50 ans. Donc, on sera mort, ça c'est clair. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah ouais! Attention! Et finalement. Mais c'est quoi cette dose? Non. Les hommes ont remplacé des poupées. Mais quelle horreur! C'est vrai, on les verra jamais, les sept sœurs. Non, et ben, en fait, il y a une qui s'appelle lundi, une qui s'appelle mardi, une qui s'appelle mercredi. Oh merde. Et en fait, ils doivent limiter à un enfant par couple. Les autres sont mortes, ils les tuent. Ouais. Donc, comme ils ont. Et ben, justement, il y en a eu sept, donc il n'a pas voulu les tuer. Donc, il a gardé les sept, mais là. Celle du lundi, elle va à l'école. Celle du mardi, elle va à l'école. Mais celle du lundi, elle va pas à l'école. Enfin, tu vois, il y en a une par jour qui va à l'école. Donc, celle qui est du dimanche, celle qui dit pas là, elle en manque pas une. Celle du samedi, elle va à tous les anniversaires. Ouais, ok. Et oh, elle boit, celle du samedi. Elle est forcément alcoolique. Elles se font gauler et puis quoi? Elles se font gauler parce qu'elles sont tuées. Ils les tuent, ouais. Mais le problème, c'est qu'un gamin, quand elle était petite, il y en a une quand elle était petite, eh ben, elle s'est coupée le doigt. Elle est rentrée à la maison avec son doigt coupé, plein de sang, la main et tout. Donc du coup, le père, qu'est-ce qu'il a dû faire? Couper le doigt à toutes les gamines. Ah, mais parce qu'elles se ressemblent ou quoi? Mais c'est des jumelles, mon amour. C'est pas des jumelles, c'est des sextuples, des septuples. Des septuplés. Septuplés. Qui nous rend sérieux? La vie nous a rendu plus impudés. Oh, parce que le temps qui. Elles ont toutes le doigt coupé. Et bah du coup, et bah, il a dit, bon alors maintenant on va être solidaire avec ta sœur, comme toi t'es le lundi, toi t'es le mardi, regardez, moi tu dois couper le doigt. Et alors les gamins, ils mettent la main là, l'autre il prend la hache, oh, il coupe les doigts, c'est horrible. C'est quoi cette merde? Parce que tout le reste on s'en fout. Hein? C'est surtout la santé. On voudrait pas être malade. Hein? Ouais. C'est quoi? Des genêts. Tu peux dire des genêts. Ah ouais, des petits feux de. Des fillettes. Des feux de fillettes, quoi. Ouais, ouais, c'est un truc privé, ça. Ou alors ils auront plus long en France. Avec la grève, hein. Un putain de fric pour le feu d'artifice. Je souhaite à tous une bonne année et puis on en profite pour remercier nos donateurs et tous les gens qui nous soutiennent aussi. Donc on vous souhaite qu'il vous arrive le moins d'emmerdes possible, n'est-ce pas? Ouais. Comme à nous aussi, hein, j'espère. Et puis n'oubliez pas, 2020, c'est l'année Boat Story. Ciao, bonne année. Hey, volume! Non, non, j'aime pas la camicia negra. Non, j'aime pas la camicia negra, la camicia negra. Je l'ai beaucoup trop entendu. I love you, baby. Oh, yes.
llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Chihuahua. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Dame pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. ¡Vení! ¡Vení! Bon petit déj à l'anglaise. Maison.